On va faire un petit quiz. Et dans ce quiz-là, il suffira juste de... Je vais donner juste des indices et vous allez nous dire, genre, qui a fait ce buzz-là ou voilà, comment ça s'est passé. Ça va? C'est des buzz de Côte d'Ivoire. Hein. Il y a juste un seul qui vient de loin. Okay. D'accord? Donc... Allez, c'est parti. Pour nous aussi, on joue. Hein. Oui, tout le monde joue. D'accord. Sur le plateau. Nous aussi, on joue. Quelle personne publique a créé le buzz en pleurant sur un terrain de football? C'est Rédier. Ouais. Tout le monde connaît ça. Alors, c'était en 2014, lors du match Colombie-Côte d'Ivoire. Quel jeune homme sorti de nulle part a fait le buzz avec juste une vidéo où il avait du savon? Gutigi. Ah, de Gutigi. De Gutigi, le bé. C'est son, c'est son manager Jeffrey qui est là. Je ne réponds pas parce que c'était son ancien agent. Alors, quelle marque de vêtements a fait le buzz avec la photo d'un petit garçon noir portant un pull assez particulier? H&M. C'était H&M, ouais. Top. H&M. Vous voyez que vous êtes au cœur de l'actualité. H&M. Alors, quel ancien président a fait le buzz juste en se promenant avec une chaussure tout à fait normale? Gbagbo. Et ça, il avait porté quelle chaussure? Une chaussure Adidas. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Les gens ont commencé à poter. Ils ont commencé à poter. Ils sortaient de prison. C'est ça. C'était la première photo. Non, il ne sautait pas. Il partait, on dirait, d'une clinique. Avec... Se promener, non, il était dehors. Mais ce n'était pas sa première apparition publique. Première apparition après qu'il soit sorti. C'était sa première. Et donc, tout le monde a fait. Ça a été relayé, mais incroyablement. Juste. Et je ne sais pas les pourquoi. Les gens ont commencé à acheter la chaussure. Oui. La photo de la chaussure circule là-dessus. Voilà, la chaussure a commencé à mâcher. Bizarre. C'est incroyable. Juste quelqu'un qui poche aussi mâche. Ou bien c'est parce que c'est pas, ça va pas ensemble, quoi. C'est passé, c'est lui. C'est parce que c'est lui. Il a des fans, quand même. C'est lui. Parce que moi, je porte mes chaussures tous les jours, personne ne... Vraiment, je te dis. Alors, quel couple était au centre d'un buzz récemment et le monsieur a particulièrement défendu son épouse qui est chanteuse? C'est monsieur Kamagaté. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il faut nous donner les détails. Ouais. Voilà, elle a donné les détails, il a défendu. Comment tu appelles ta femme? C'est Ami Kamagaté ou Sarah Kamagaté? Bon, je l'appelle comment, Doudou. Comment... Je l'appelle Doudou. Comment tu l'appelles? Non, parce mais elle a son nom d'artiste, Bamba Misara. Non, mais ça reste Bamba Misara, ça ne changera pas. Non, mais elle est Madame Kamagaté. Non, mais pour le public. Non, elle a son nom d'artiste et puis elle a son nom d'épouse. Pour le public, ça reste Bamba Misara. Épouse Kamagaté. Toi, tu l'appelles comment? Doudou. C'est ça, on dit là. Il a dit Doudou, il a répondu. Le buzz, c'est le buzz de Suleiman Kamagaté et de Doudou Kamagaté. Voilà, c'est ça, exactement, de ce Kamagaté. Alors, un homme a fait le buzz juste en dansant torse nu avec un gros ventre. Easy. Mais non, est-ce que c'est son vrai prénom? Il s'appelle comment? Je ne connais pas son nom. C'est Miku, non? Miku. Ah, ok. Ça reste un surnom, Miku. Est-ce que c'est son nom? Non, c'est son prénom qui est Miku. Miku, c'est pas un surnom. Non, c'est son surnom. Voilà, son prénom, son surnom, en tout cas. Son prénom, non, j'ai pas trouvé. En tout cas, on l'appelle Miku. C'est une vidéo? Oui, parce qu'il dansait dans... Il y a une chanson de... Comment il s'appelle? Sans façon. Sans façon. Il dansait dans un bar. Il était le danseur et il a dansé avec son gros ventre. Et sa danse a tellement impressionné les gens que finalement, c'était lui qu'on a invité à la place des chanteurs. Ils ont isolé la partie dans la vidéo. Alors, un jeune homme a été au centre d'un buzz avec le piratage de sa page Facebook. Et ce n'était pas finalement un piratage, mais c'était un malentendu. Ah ça, je sais pas du tout. Ça c'est pas ici en tout cas. C'est ici. Ah. Un jeune homme. Piratage de page Facebook, une page Facebook connue. Il y a eu un piratage. Ah First. First. Ah, Eloge, Eloge, Eloge. Eloge. Ah, non mais pourquoi vous dites. Est-ce que c'est un piratage? Non, c'est pas un piratage. C'est pas un malentendu finalement. Non mais justement parce qu'elle dit c'est une. Elle dit c'était qu'on a pensé que c'était un piratage. On a pensé que c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Eloge. Eloge, c'est ça. On dit un monsieur, quand on dit un jeune homme là. Ah oui, c'est vrai. C'est vieux. Il y en a qui cherchaient. Il cherchait. Il n'a pas 50 ans quand même. Il va voir ça bientôt. Ah ouais? Il a l'air jeune en tout cas. Il a l'air très jeune en fait. C'est un bon vieux. Moi je le prends comme. Ah non, il faut l'appeler tonton. Désolé, tonton Eloge. Tonton Eloge en tout cas. Alors, un jeune homme a été accusé de vol et confondu grâce à un balai. De Versailles. De Versailles. Il est actuellement où? À Dubaï. De Versailles. Ensuite. Donc il est parti quoi faire quoi? À Dubaï, je sais pas. On lui a offert un billet d'avion. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui se greffent. Pour revenir à Izé Miku, par exemple, ça, c'est un buzz qui a été vraiment... qui m'a fait vraiment, vraiment mal. Parce que s'il était bien géré, il pourrait être déjà en France, il avait fait des pays, tout ça. Ah ouais? Mais oui.
Parce qu'en fait, il n'y a rien eu de... Non, il n'a pas eu de conseiller. Mais pourquoi vous ne l'avez pas contacté? Non, je ne le contacte pas. C'est lui. Si tu as besoin de service, tu fais avec moi. En général, ce sont les agents qui vont vers les talents. Non, l'inverse. Il nous reste deux questions. Agent, je pense qu'ils me connaissent quand même. Je parle avec toute humilité, ils me connaissent un peu quand même. Il nous reste deux questions. On n'a plus beaucoup de temps. Des artistes ivoiriens ont fait le buzz en s'attaquant à un groupe aux représentants de la loi et ça n'a pas été sans conséquence. C'est ça, exactement. Ils se sont attaqués au procureur Adou Richard, qui ne badine pas. Ensuite, un artiste chanteur dont le buzz a mal tourné pour lui, car il s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce que le sultan ? Qu'est-ce que le sultan ? Tu vois, il nous laisse pas... T'as vu, on n'a pas le temps de répondre, mais vous avez dit... Merci beaucoup. Vous maîtrisez. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être en votre compagnie, franchement. On a beaucoup appris. Maintenant, on sait, quand on va vous voir en train de faire les buzz, on sait ce qui se passe. Vous ne pourrez jamais savoir. Mais on sait que c'est du cinéma. Vous ne pourrez jamais savoir. Vous l'avez dit. OK. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été en notre compagnie.